Le golf, pour moi en tout cas, c'est avant tout une passion. Donc ça m'a pris en tout cas beaucoup de temps quand j'étais plus jeune. Le problème, c'est que quand ça devient un métier, eh ben, on fait ça tous les jours. Si on ne fait pas des breaks, des semaines de repos, bah là, ça devient vraiment très compliqué mentalement en tout cas. Donc il faut savoir lâcher prise et prendre vraiment du repos quand c'est nécessaire. Je culpabilisais un petit peu au début, mais je me suis vite rendu compte que c'était nécessaire et vital pour bien jouer en tout cas. Donc non, je culpabilise pas du tout. Il faut vraiment un temps pour tout. Il y a un temps pour s'entraîner, un temps pour se reposer. Et si on loupe une des deux étapes, bah, on ne pourra pas être performant. Quand je me repose, voilà, je vois mes amis, je vais au cinéma, j'aime beaucoup la musique, enfin toutes les choses normales d'un jeune de 20 ans. J'aime vraiment tous les styles de musique, que ça du rap au classique, en passant par l'électro, voilà, j'aime vraiment tous les styles de musique. J'aime beaucoup le cinéma, donc j'y vais assez régulièrement. J'ai vu Intouchables, The Artist, les deux films français qui ont vraiment bien marché ces derniers temps. Non, voilà, j'ai vu beaucoup de films ces derniers temps. Ouais, je vais en citer un parce que voilà, j'aime beaucoup Rocky, j'aime bien sa force de caractère, voilà, le personnage. Après, c'est peut-être pas le meilleur film que j'ai vu, hein, mais j'adore ce film et j'adore le regarder de temps en temps. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais plus jeune et mes parents sont sportifs, donc j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Donc voilà, je m'intéresse beaucoup à tous les types de sports. Je regarde pas mal de foot, de tennis. Je supportais l'OM, mais là, cette année, ils ont pas fait une très bonne saison. Voilà, forcément, le PSG, cette année, ils ont fait de très bons résultats. Donc je garde un œil là-dessus, vu que je vis pas très loin. J'aime beaucoup la boxe. Enfin, je m'y intéresse pas trop, mais j'aime beaucoup forcément Mike Tyson et tout ça. Enfin, tous ces grands champions, tous les grands champions dans toutes les disciplines peuvent apporter quelque chose. C'est super important. Mon père, sans lui, j'aurais jamais atteint ce niveau-là. C'est lui qui a tout fait quand j'étais plus jeune, qui m'a amené sur les tournois, sur les grands prix, à faire 2 heures de route des fois pour m'amener. Voilà, il a fait vraiment beaucoup de sacrifices, même si pour lui c'était une forme de plaisir, mais il a vraiment fait beaucoup pour moi et il m'a beaucoup apporté. Ma mère aussi, ma sœur, voilà, toutes les personnes qui m'entourent m'aident à des fois quand ça va mal ou même quand ça va bien, au moins je peux partager avec eux. Donc non, vraiment la famille c'est très important. Bussy, c'est une deuxième famille. J'y vais de moins en moins parce qu'avec les tournois, j'ai pas trop le temps. Mais voilà, j'ai beaucoup de copains là-bas et j'adore y retourner pour les voir ou pour faire des parties de temps en temps. Voilà, il y a une superbe ambiance. Donc c'est vraiment très agréable d'y aller et d'y retourner pour passer un peu de temps là-bas. J'ai passé 7 ans à jouer pour les équipes, donc forcément, j'ai beaucoup de souvenirs, que ce soit en équipe ou alors je me suis entraîné là-bas depuis tout petit, donc j'ai beaucoup de souvenirs. Il y a plein de gens que je pourrais citer. Je peux citer Marie-France Plamont, par exemple. C'est elle qui m'a beaucoup aidé quand j'étais plus jeune, qui m'a fait jouer dans les équipes jeunes, qui m'a aidé aussi financièrement, qui m'a trouvé des budgets. Elle m'a beaucoup apporté quand j'étais plus jeune. Et puis, il y a plein d'autres personnes à Bussy qui m'ont beaucoup apporté. La liste est vraiment longue, donc je pourrais pas tous les citer. Mais c'est indéniable que ce club a beaucoup fait. Et d'ailleurs, quand on voit tous les joueurs qui sortent de Bussy, on se doute bien qu'il y a déjà une émulation qui est certaine, mais en plus qu'il y a vraiment des personnes qui nous aident pour pouvoir performer.